Bonjour à tous, c'est Fabiano, on se retrouve pour une petite vidéo sur Baldo sur Switch, The Guardian's House. On va dire que c'est une sorte de Zelda à la sauce Ghibli. Nous allons voir de quoi il s'en retourne. Option. Langue française, ouais. Def, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nouvelle partie, bien sûr. Nous sommes sur Switch. Graphisme peut-être un peu moins beau que sur PS4. Nous allons voir ça. Temps de chargement un peu long au début. Apparemment, ça sera un peu moins. Déjà, graphiquement, c'est très très bon. Salut, Baldo. Je savais que tu serais là, comme toujours. C'est Luna. Luna. Je viens de voir ton papy, il te cherche. Je suis tellement excitée. Je veux te raconter ce que j'ai découvert hier. Mais avant, allons voir ce que ton papy veut te dire. Ce serait grossier de le faire attendre, tu trouves pas? Ok. Rouler. Action. Pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Luna, attends-moi, s'il te plaît. Je reviens. Ah, Luna, c'est la petite chatte. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite chatte? Miaou, miaou. Comme c'est. Incroyable. On peut courir, on fait des galipettes. Qu'est-ce que c'est ça, le qui clignote là? Je regarde les menus, le menu. Rencontre le grand-père de Baldo. D'accord. Montrer la carte. Ah oui, d'accord, alors faut aller par là. Elle ne suit pas la petite là? C'est là? Oh, le joli titane. Il dit rien. Ah, elle le suivait. Oh, un coffre. Champignons scatia. Ces champignons sont réputés pour leurs vertus. Depuis des générations. Ils permettent de sprinter plus vite pendant une courte période et poussent partout dans le monde. D'accord. Ah, on peut pas. Ah oui, on peut pas passer par là. Obligé de prendre l'autre porte. D'accord. Alors, papy, qu'est-ce que tu veux nous dire? Baldo, te voilà. Écoute attentivement, mon petit. J'ai peut-être trouvé ce que je cherche depuis toujours, l'endroit où le galion perdu s'est échoué. Il est ici, à Kidoge. Tu te rends compte? J'ai cherché ce galion partout. Il était sous nos pieds depuis le début. Je sais que je t'ai déjà raconté cette histoire 100 fois, mais... Fais plaisir à un vieil homme. Il y a longtemps, un galion est passé par ici, chargé d'un trésor incroyable. Une arme et un artefact inestimable qui pourrait ouvrir le chemin du légendaire village des hiboux gardiens. Alors qu'il rapprochait de la côte, une terrible tempête venue d'ailleurs enveloppa le navire et il s'évapora avec son trésor et son équipage. Cette tempête était la dernière tentative désespérée de la créature sans cœur, enfermée dans les enfers par les hiboux gardiens pour récupérer l'arme qui transportait le galion. Tout l'équipage est mort en essayant de protéger l'artefact contre les tentacules d'un énorme monstre terrifiant venu des profondeurs.
La légende veut que le monstre continue de veiller sur cette cargaison depuis les profondeurs. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La prophétie affirme que lorsqu'un enfant au cœur pur naîtra, la créature sans cœur réapparaîtra. Et seul un cœur courageux sera capable de lui résister. C'est la fin de la légende, mais je sais à présent où se trouve l'entrée qui mène au galion perdu. Je suis convaincu qu'elle se trouve dans la mine abandonnée. Ici même, à Kidoge, j'ai vu le symbole des hiboux gardiens. Je vais aller vérifier plus tard ce matin. Avant cela, il reste quelque chose à régler. Baldo, Madame Lidina, m'a fait dire que deux de ses poules ont disparu de sa ferme. Ah bah tiens, des quêtes à la Zelda. La légende peut attendre, sois gentil, va lui parler. Souviens-toi, nous nous entraînons tous au village de Kidoge. Tu ne voudrais pas que Madame Lidina soit triste, hein? Tout de même, c'est une femme généreuse. C'est grâce à elle que nous avons tous ces bons ce chaque jour. Rencontre le père de Baldo. Allez donc, ça cause dur. Parler à Madame Lidina. D'accord. Mettre un peu plus fort le son. La petite musique est assez enchanteresse. Au petit graphisme à la Ghibli. Du cel-shading, quoi. On va voir la mamie. Je peux pas courir plus vite que ça, à part les roulades, c'est tout ce qu'il sait faire. Peut-être par là, on passe. J'ai l'impression qu'elle nous attend. Passer par là. On passe par où? Ah, décidément. Bon, bah, sans doute un passage. Je ne l'ai pas trouvé. Faire le tour. Qu'est-ce qu'il dit, papy? Il parle pas. Les poules sont là. Alors. Bonjour Aldo, je m'inquiète un peu, je ne retrouve pas d'eau de mes poules, ils doivent être dans les parages, mais je ne peux pas quitter ma ferme pour le moment. J'espère qu'elles vont faire attention et ne s'attireront pas d'ennui, ou qu'ils n'iront pas à des endroits dangereux comme la tour abandonnée. Ne me demande pas pourquoi, mais ces poules sont attirées par les lieux obscurs. Je suis sûr qu'elles finiront par rentrer, même si tu les trouves. Apporte-moi dans le poulailler. Ou disparu. Je regarde la quête. On va aller à la tour de l'hibou abandonnée. Là. On peut pas bouger la caméra, j'ai l'impression. La caméra est fixe. On va aller à la tour de l'hibou abandonné. C'est où? C'est pas très très loin. Je
vois pas trop sur la carte. On peut agrandir la carte ou quoi? Le menu n'est pas très très simple. C'était donc là. Viens ici, la poulette. Alors, la poulette. T'es trouvé. Ah, il est tombé. Vrai petit dessin animé, hein. Attends-moi ici, s'il te plaît, je reviens. Ah, on peut le faire arrêter comme ça. Luna. Apparemment, on peut pousser des stèles. Un œil apparaît. Il y a une autre stèle là. Stèle là. Allez, pousse. Ouh, la musique qui fait peur. Oui. C'est une stèle de hibou. Peut-être que quelqu'un s'arrête là. Viens là. Ah. Attends-moi ici. Je reviens. Voilà. Que se passe-t-il? Oh, une corne. Oh, le même hibou que Zelda. J'ai toujours su que tu serais l'élu, c'est Enor la voyageuse. La prophétie s'est accomplie et un enfant au cœur pur est né. Les créatures sans cœur, enfermées dans les enfers, dans les hiboux gardiens, et sur le point de revenir. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je dois aller prévenir les gardiens au village du hibou. Mais avant de partir, je dois t'enseigner quelque chose. L'objet que tu as trouvé est la corne de gardien, un puissant artefact qui ouvre les portes et les portails construits par les hiboux. Gardien, il y a très longtemps. Alors écoute bien et répète pour apprendre la chanson du hibou. C'est vraiment comme Ocarina of Time, hein. Faut apprendre la chanson du hibou. Très poétique comme je les aime. Joue la chanson du hibou avec ta corne de gardien. Lorsque tu seras sur un symbole de gardien tracé au sol, comme celui-là derrière toi, alors tu pourras activer les portails, les portes, portails et appareils. Cette corne est également appelée la voix des hiboux.
En exécutant la bonne mélodie, cet instrument magique permet de relever les secrets ou de lancer de puissants sorts. S'équiper de l'objet. Peut-être pas équipé d'objets encore. Alors je regarde. Là, on doit être équipé, je pense. Le portail, c'est là, c'est la voie du hibou, je pense. Que va-t-il se passer? Ouh, une échelle! C'est magnifique! Qu'est-ce qu'elle me dit, la petite, là? Suis-moi maintenant, Lucia. Allez, hop, on grimpe. Attends, j'ai failli oublier. Tu trouveras un portail par terre. Tu peux l'utiliser pour ouvrir des portes de hibou. Il te faudra une orbe. Les orbes sont composés d'énergie naturelle concentrée. T'en trouveras dans le monde entier, dans les plantes ou les arbustes, ou cachés sous la terre. Certains portails demanderont peut-être davantage qu'une orbe. Maintenant que tu sais quoi faire, essaye, va au symbole de gardien par terre là-bas et joue la chanson de Hibou que je t'ai apprise. Ah, c'est une orbe composée d'énergie naturelle. Tu en trouveras n'importe où dans le monde. Dans les plantes ou les arbustes, ou cachés sous la terre. Une orbe peut avoir tout un tas de propriétés magiques. Ok. On utilise. Ça va ouvrir sans doute la porte. C'est parti. Allez, tu me suis ? Voilà de quoi je voulais te parler. J'ai découvert un livre dans la bibliothèque du château à la ville de Rodia. Il parle de la légende des hiboux gardiens. Je n'étais pas certaine qu'elle était réelle avant de voir ceci. C'est incroyable, tu ne trouves pas? La magie, des créatures mystérieuses, une prophétie, des portails. Je suis tellement excitée. On devrait aller chercher l'autre moitié de la clé pour ouvrir le chemin du village du hibou. Doué et Nord parlait. Tu pourrais m'aider à la trouver? Elle se trouve peut-être à la ville de Rodia. Écoute, je vais te montrer comment sortir de Kiloge. Grâce au chemin que j'utilise pour entrer et sortir sans me faire remarquer. Mais il y a eu un problème cette fois. Doucement, on pourra faire ça plus tard. Pour le moment, nous devrons aider ton papy à trouver ce qu'il cherchait dans la mine abandonnée. Tu te souviens? Il parlait d'un symbole de hibou gardien. Je pense que la corde de gardien et d'énor t'a donné pour résoudre le mystère. Et révéler le passage secret qui mène au galion perdu. Ok. Alors, faut aller par là, sans doute. On va suivre. Les villageois ne parlent pas. Très très beau, en tout cas. J'aime beaucoup la direction artistique. Là, ça n'est pas un tour de hibou. On va aller à la mine, apparemment. On va passer par là. Non, je pense pas. Je me perds assez facilement. Malheureusement, il ne peut pas courir plus vite, c'est un peu dommage. Oh, des chauves-souris!
Je regrette, Baldo, mais j'ai horreur des chauves-souris et cette mine me donne des frissons, j'ai trop peur. Va voir, je t'attendrai ici. Les lézards. Bon. On va dans la mine. Papy! Baldo, regarde cet ancien symbole, je l'ai vu partout sur le territoire. C'est le symbole des hiboux gardiens. Je suis sûr que c'est l'entrée du galion perdu. Mais je ne sais pas encore l'ouvrir. La légende dit que la voix du hibou peut montrer le chemin. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Ce symbole, il doit avoir une sorte d'interrupteur au sol qui l'ouvre ou l'active. Je me demande de quoi il peut s'agir. Eh ben, voilà. C'est tout simple, papy. Enfin, tu as réussi. J'ai trouvé l'entrée secrète du galion perdu. Tu as trouvé l'antique corne de gardien. C'était ça la clé. Quel idiot j'ai été à le chercher pendant toutes ces années alors que j'avais la réponse sous le nez. Je suis trop vieux et trop gros pour me faufiler dans ce trou. Je pense que mon arthrite ne me le permet pas. Ça y est, il est temps que tu vives tes propres aventures. Mais fais attention, ça pourrait être dangereux. Les livres que j'ai lus ne parlaient pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je peux te donner aucun conseil, mais attention aux fantômes et aux terribles monstres de l'abîme qui protègent encore la cargaison. Ce sont sans doute que des légendes, mais on ne sait jamais. Attention, Baldo! Ça fait peur! Où le galion? Je sais pas à quoi sert ça. À quoi sert ce... Ça sert à jeter. D'accord. Ça
sert d'arme, d'accord. Quelle odeur atroce, personne ne sait vraiment à quoi sert. Mais certains sont prêts à en acheter. Attends. Ah, c'était peut-être... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un trou, là. Allô. Passer par ça, par là. S'il y a toujours la citrouille, en fin de compte, on peut jeter la citrouille. Je sais pas si elle y a toujours. Les temps de chargement sont un petit peu longs quand même. Un peu embêtant ça. Citrouille, bien sûr, n'est plus là. Est-ce que je peux peut-être. Et la balancer sur l'espèce de mécanisme là, le pied. Ah oui. Ah, là, par contre, il faut peut-être casser encore. Réussir à passer. Moi, je suis pas très fort en ennemi. Ah, c'est utilisé. Ça permet. Attends, je sais pas trop. Attention au trou là-bas quand même. Il y a une espèce de trou là. Faire un peu attention. Parce que là, là on voyait pas bien qu'il y avait un trou. Autre chose. Pour l'instant, on n'a pas d'armes, ça me fait un peu de temps. C'est pas pousser. Ah, elle est courte. Oh là là, il fait mal. Ah bah décidément, on a très peu de vie. Hein. C'est très compliqué. Oh là là, bah dis donc. Vous n'allez pas me dire que je vais déjà être coincé par ces monstres. Est-ce qu'on peut... Non, bah dis donc. C'est assez problématique tout ça. Je ne touche même pas. Oh là 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 là. C'est assez brutal. Écoutez, on va arrêter là. Vous aurez déjà vu un aperçu de ce jeu, même si je suis assez mauvais. J'essaierai de voir si je peux continuer ou pas. J'espère que cette vidéo de Baldo vous a plu quand même.
malgré ses fails. À la prochaine, les amis. C'était Fabiano, portez-vous bien. Bye bye.